Maman, sortez mes plumes, sortez, sortez, sortez. L'heure est grave. Quand il dit sortez, non, sortez sur le manque, ne prenez rien. Sortez même sans prendre les chaussures. Voilà les deux si qui ont organisé leur rupture ici, là, sur la toile. Les gens se sont moqués, les gens ont ri. Hein? Et Bob Dylan est même devenu philosophe. Sorti les chansons jusqu'à prendre la corde pour la gestuelle et tout. Voilà aujourd'hui, il organise la demande en mariage jusqu'à ce que les deux se fiancent en présence de tous leurs amis et en présence de Steve Farr, tout qu'on avait soupçonné d'avoir arraché MK, Michelle, oui, la TikTokeuse, à Bob Dylan. Donc alors, le gars a décidé que non, je ne peux pas laisser ma Canadienne partir comme ça. Malgré tout le problème et tous ses refus d'accepter, tous ses refus de pardon, le gars ne s'est pas découragé. Alors, elle a alors programmé venir au pays, comme vous avez bien vu. Alors, le gars a alors décidé qu'à l'heure, si ça passe ou ça casse, je vais passer à la vitesse supérieure, même si je suis jeune. Malgré ma jeunesse, c'est comme ça qu'il organise et demande la fille en mariage. Selon ce qu'il dit, c'est qu'elle ne connaissait pas. Donc, c'était une demande surprise. Alors, la fille tellement émerveillée, elle lui a dit oui. Donc, maman, voilà déjà une influenceuse de moins d'un sur la liste. Donc, celle-là est déjà prise, elle est déjà occupée. Il restait qui? Noël Kemoué. Léa Campbell, Amy Dany Basson, oui, elle n'est pas mariée. Faire l'enfant avec un homme ne veut pas dire que tu es mariée. En passant, mes plumes, apparemment, Amy Dany Basson n'a pas encore accouché. C'était juste le fake news comme d'habitude. Elle n'a pas encore accouché, donc c'était un fake news. Vraiment, je suis désolée pour le post que j'ai fait ici, disant qu'elle était mariée, qu'elle avait accouché, autant pour moi. Alors, il y a Amy Dany Basson, pour qui elle était dotée, oui. On suppose que, bon, voilà, elle y a presque mariée. Elle est déjà mariée parce que, voilà, le coutumier, c'est même le plus important. Là, que c'est la faute, voilà, c'est la protection et tout. Nous avons encore qui? Léa Campbell, Aïcha Camoise, voilà. Les filles, là, apprêtez-vous. Mayol Francine, déjà même prière pour elle. Oh. Elle a déclaré, elle s'afflamme depuis. Elle a posé son problème depuis. Et voilà, une émission ici que j'avais partagé cela avec vous. Qu'elle en avait marre du célibat. Elle veut, elle, vraiment se stabiliser. Il y a encore qui, sa copine Rosine Gwengem. Pardon, vous attend. Oh. Voilà les jeunes là. Ils sont venus ici avec leur love story et qu'ils mangent l'amour pour vivre. Les voilà aujourd'hui en train de donc d'aller sur le droit chemin comme on voulait. On bénit seulement le couple là-haut. Que ça marche, que ça dure. Oui. Parce que c'est un peu surprenant. Hein? C'est un peu vraiment surprenant. Avec son départ au Canada, beaucoup savaient que non. Et voilà. Mais sinon, l'amour triomphe quand même toujours. Mais je ne sais pas alors si, en dehors de ça, le gars peut-être c'est son chemin pour pouvoir la m'arrêter. Ensuite, elle monte sa procédure pour qu'ils aillent au Canada ensemble. On espère qu'arriver là-bas, le mariage va continuer, l'amour va continuer de triompher parce qu'on connaît bien ce qu'il y a de l'autre côté là. Les longs yeux de sa maman. En tout cas, mes plumes, sur ce, je ne vais pas être très longue. Félicitations aux deux totorons. Si vous aimez vraiment et que vos sentiments viennent vraiment du fond de votre cœur, même prière pour vous, que le Seigneur vous bénisse et fortifie davantage votre amour. Donc, je vous laisse le soin d'écouter et la vidéo pleine d'émotions, pleine de, voilà, de tout ce que vous pouvez bien voir en vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous massivement pour ne pas louper mes prochaines publications. C'était Lorenza la Plume. N'oubliez pas de vous abonner également sur ma chaîne YouTube, Les Stories de Lorenza la Plume. Bye bye. Alors j'ai invité MK Michel, on a discuté. Et j'ai essayé d'arranger. Le lendemain, il a fait un direct. Elle a refusé. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux demander? Il m'a dit qu'il est prêt à demander MK Michel à mariage. Et on a organisé ça, on est à la Faniente. Vous ne pouvez pas imaginer comment ce garçon s'est tué depuis le matin. MK Michel au Cameroun, elle est en train d'arriver. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas que lui et moi on se connaît. Donc elle est en train d'arriver à la Faniente, elle ne se doute de rien. C'est ce qu'elle vraiment. Elle va aller au conseil. Elle sait qu'elle va aller au conseil. Elle sait qu'on part au conseil de locaux. Donc là, elle est en train d'arriver à la Faniente.
Mais la question que j'aimerais te poser, parce qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux, j'espère que ce qu'on fait là, ce n'est pas pour le buzz. Dylan, est-ce que tu veux vraiment te marier? Est-ce que tu es sûr que tu veux te marier? Ce que tu es en train de vouloir faire? Est-ce que tu es sûr que tu es sérieux? Je suis sûr, là. Non, ne dis pas. Parce que là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, je sais. Tu vois que j'étais obligé de laisser qu'on gâte mon nom partout au Cameroun. Pour toi. Tu vois un peu. Ouais. Tout le monde pensait que non. Mon petit, non, c'était d'abord pour voir ce que les gens ont dans le ventre. Non, ils ont sorti. Ils ont sorti. Ils ont sorti tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Parce que si vous pouvez savoir, je me suis assis ce jour-là et quand je fais ma photo, je dis MK, mets bien ton sac, on va voir le MK. Ça, c'était ma photo. Mmh. Et sa photo à elle, c'était juste magnifique. Et vous êtes tombé dans le piège comme d'habitude. Vraiment dit. Vous avez tout dit. Vous êtes moqué parce qu'on n'avait pas bon réponse. Eh, mon petit. Qu'est-ce qu'on fait à mon petit comme ça? En tout cas, j'espère que MK va accepter ta demande en mariage. Non, j'espère. Parce qu'il s'est battu. Les excuses comme ça, elle a refusé. Elle a refusé. J'ai dit que tu avais MK. Hein? Jusqu'à présent, elle dit qu'elle s'en fout. Elle ne veut rien entendre. Là où elle arrive, là, je suis sûr que quand elle va voir ça. Parce qu'au fond, je suis persuadé qu'elle t'aime. Toi-même, pour chaque chose, c'est que tu fais là. Non, il fait rien, gars. Voilà. Je suis persuadé que MK Michel t'aime et je sais que tu l'aimes. Alors, bonne chance. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. On va juste regarder ce qui va se passer. Merci. N'est-ce pas la famille? Ouais. Allez, courage. Merci. Merci. Ouais. Merci, gars. Merci. Voilà. Ah, ma fille, je suis très content de te voir. Eh bien, c'est ce que vous avez fait croire. Attends, filme, filme, je vais poster ça. Elle a les yeux bandés ici. Elle a les yeux bandés. En fait, bon, la façon dont j'ai géré ces gens, il y avait une surprise. Oh, mais qu'est-ce que tu veux là? Arrête. Non, mais tu devais évanouir. Qu'est-ce que tu fais pour que tout à l'heure, au conseil de locaux, il n'y aura pas une surprise? Mais en fait, ça, c'est d'abord être sur le conseil de l'encore. Oui, allez, d'abord, venez vous voir. Là, il y a un conseil. Je dis qu'il faut que je m'habille, il faut y avoir pas. Ouais. On va. Tu passes en gros. Et pourquoi on va m'habiller jusqu'au là? On blague. On blague. On blague. Regardez-moi ça. Allez, va. Ça va. Elle est belle, là. Merci. Allez, il faut. Zouk, zouk. Bon, bienvenue. C'est une question. Dès qu'il avait le gros, il s'est en train de gérer les plaques. Non, c'est sûr que vous avez préparé un four. Non. N'est-ce pas, non? Ça peut pas se mettre dedans. Comment avoir les. En fait, je suis le consigne. Tu gommes là. Tu gommes là. Tu bois le consigne. Non, on va boire, même manger. Même l'eau, tu me passes. Même l'eau. Quoi? C'est pas trop faire ça, moi j'aime pas ça. Hein? Ouais, après ton bas. Tu m'apprêtes ton bas. Tu m'aimes? Peut-être. Oui. Ah. Choisis le vêtement. Okay. On part maintenant, non? On part directement. Hein? Oh, attendez, information capitale, la High Furniture Show, c'est le salon de l'ameublement à Dubaï. Il y aura plus de 250 exposants, 60 pays et 15 000 invités. Vous faites dans l'ameublement ou bien vous vendez l'ameublement, vous avez un hôtel, vous construisez ou vous voulez simplement savoir ce qui se fait de mieux en matière de décoration ou de construction ou d'ameublement. Réservez votre place. Et rendez-vous à Dubaï du 21 au 23 mai. C'est 350 000 seulement pour les Africains. Et vous aurez droit au visa, un mois, l'accueil à l'aéroport, petit déjeuner et vous serez logé dans un hôtel 5 étoiles, l'hôtel Intercontinental. Date limite pour réserver le 15 mars. Alors, réservez et rendez-vous à Dubaï. Voici les numéros que je laisse. Et voilà, je laisse aussi le lien en commentaire. Inscrivez-vous massivement. Vas-y, avance. Avance de ton destin. Vas-y, ma fille, vas-y.
Là, le chemin est encore très long. Vas-y. Les gars. Vas-y. Nous sommes séparés. Moi, je ne voulais plus croire. Moi, je ne croyais plus. J'avais rien intégré. Tout nos souvenirs. Tout ce qu'on avait vécu en temps, j'avais rien oublié. Même quand Claudio, Tic, venait me parler de toi, moi, il est chassé. Tu as essayé d'arranger les choses mais deux fois, mais moi, je ne croyais plus. Tu as insisté. Je ne croyais plus. Tu as envoyé Tic. Je le chassais, parce que moi je ne croyais plus. Mais tu n'as pas baissé les bras. Tu as abandonné ce que nous tous on connaît là-bas. Pour venir ici arranger les choses. Tu es venu arranger les choses. Tout s'est très bien passé. La flamme s'est encore mise dans mon cœur, plus que jamais. Jusqu'au jour où tu as décidé de rentrer. Bref, on a décidé que tu devais rentrer comme chez nous. Tu es rentré, même le jour en te laissant à l'aéroport, ça n'allait pas dans moi. Ça n'allait pas. J'ai serré le cœur parce que je m'étais attaché à toi. Tu es parti. On a encore eu des problèmes. Tu es venu en Côte d'Ivoire, on ne s'est pas vu. On a encore eu des problèmes encore.
pense qu'on a trop blagué comme ça. C'est le moment de passer à l'acte. C'est le moment de passer à l'acte. Tiens, bon. Bon, on t'a traité de tout. Simplement parce que tu as voulu me prouver l'amour que tu avais pour moi. J'ai quitté du Canada pour venir ici. Arranger les problèmes, on t'a traité de tout. On t'a insulté. En Côte d'Ivoire, pareil. Quand le grand frère, si le frère arrive là-bas, il vient de venir découvrir avec toi. Il a causé avec toi. Et vous avez fait ce que vous avez fait. Ça, c'était juste pour voir ce que les gens pensent. Pour qu'ils vivent de leur sac. Mais tout ce qu'ils ont dit ne m'ont pas empêché. Et ça ne va pas m'empêcher de faire de toi. Bref, vous l'avez fait de femme. Donc, Michel, est-ce que tu veux m'épouser? Michel, est-ce que tu veux m'épouser? Personne ne va t'obliger. Michel. Est-ce que tu veux m'épouser? On va prendre pas ses veines. Seigneur, bénis ce couple. Je te prie, mon Dieu, de bénir MK Michel et Bob Dylan, mon petit frère.
J'aimerais que ceci ne soit pas seulement un buzz. Chers Camerounais, encouragez-les au maximum à demeurer dans cet amour. M.K. Michel, félicitations. S'il vous plaît, sortons, laissons-les. Homeless. Samedi, maman, là. Samedi, dehors.